guy, come on, I've told you it was in that direction. Will you please do what I want, honey? You're gonna see. It's gonna be like in the US, I promise. It's gonna be like in the US. Hey, Julie, baby. Are you gonna stop, will you? Stupid car. Hey, stop it! You see, I was right. We just gotta follow it. Crazy. Here we are. Bonjour, eh bien, quelle arrivée? Le voyage a-t-il été agréable? All right, c'était ok. Elle s'est bien conduite? Vous savez, avec son caractère. Bon, eh bien, allez, on va voir un coup, on en profitera pour discuter. All right. Down here, au château d'Aveny, les préparatifs du 6e USKR Show sont à peine terminés, que déjà, comme vous pouvez le constater derrière moi, les premières voitures arrivent. For the third time, l'ACCF vous permet, lucky guys, de gagner une superbe voiture arrivant directement from the US. A 1966 Ford Mustang convertible. 3 years ago, l'ACCF offrait sa première voiture, a 1959 Edsel. Ce fut un événement. Je vous présente la voiture. Ring a bell?
L'année dernière, la CCF proposait son deuxième giveaway car, la 1949 Mercury, la même que celle que James Dean conduisit dans le film Rebel Without a Cause. Comme vous pouvez le constater, la peinture a été refaite par la famille Albank qui possède actuellement la voiture. Et je vous propose maintenant de m'entretenir avec mademoiselle Estelle Albank qui possède la voiture actuellement et qui n'a que 16 ans. Alors... Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, quelles furent vos premières impressions quand vous avez gagné la voiture ? Bah déjà c'était la surprise parce que bon je m'y attendais pas du tout. Puis bon bah, ça m'a fait très très plaisir. En plus c'est la voiture donc que James Dean a conduit dans son film. Et comme j'aime beaucoup James Dean, ça m'a fait encore plus plaisir. D'accord. Et comptez-vous conduire la voiture une fois que vous aurez votre permis de conduire ? Ah oui certainement, oui, là il n'y a pas de problème. Hein. Comme elle m'appartient, il faut que j'utilise. Oui, oui. Très bien. Eh bien allons-y et laissons les spectateurs admirer la voiture. That's great, isn't it? Au nom de l'ACCF, je vous souhaite good luck et vous invite à découvrir toutes ces magnifiques voitures au cours de ce week-end exceptionnel. Quant à moi, je vous retrouverai demain. See ya tomorrow.
rock and roll song in America. The Penguins sing Earth Angel. The one I adore, I'll love you forever and evermore. I'm just a fool, a fool in love with you. I fell for you, and I knew the vision of your d'une Cadillac de 1953. Oui. Pourquoi en 1990 posséder une telle voiture? Bah, je crois que qu'on soit en 1990 ou en l'an 2000, c'est une question d'ambiance et c'est une passion avant tout. Quelle est votre motivation? Notre motivation, c'est l'amour des années 50, quoi. La façon de vivre des années 50. On aimerait, si c'était possible, on aimerait retourner à cette époque-là, quoi. Mais bon, c'est impossible, donc on essaye de faire avec ce qu'on a, quoi. Voilà. Voilà. Ma motivation, au niveau de la voiture, tout d'abord, bon, je pense que l'américaine, c'est le reflet, c'est la meilleure illustration de l'époque. Je crois qu'il y a la tenue vestimentaire, il y a la façon de vivre. Enfin, la voiture, ça a toujours été, comme dans toutes les générations, ça a été vraiment l'illustration de l'époque. Et puis c'est une ambiance, alors c'est l'utile à l'agréable. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Une passion, c'est pas facile à expliquer. Ça se vit avant tout, disons que nous, on essaye de le vivre. Qu'attendez-vous de cette réunion? Ce qu'on attend de cette réunion, c'est de se retrouver entre personnes qui partagent la même passion. On fait des rencontres, on passe une journée agréable. On prend des adresses pour les pièces. On fait des contacts avant tout et puis on se retrouve, comme je vous dis, avec des gens qui ont la même passion, aussi bien l'amour de la mécanique, la belle mécanique. Des gens qui ont... C'est un état d'esprit, on se retrouve avec des gens qui ont même à peu près le même état d'esprit que nous. Alors vous sentez-vous marginalisé vis-à-vis des propriétaires de voitures plus récentes? Non, dans l'enceinte du club, je pense pas qu'il y ait aucune différence. Hein, de toute façon, on est là pour rouler en américaine, on est là pour aimer les voitures américaines. Que ce soit des années 60 ou des années 50 ou des années 70, je crois que peut-être les impressions sont différentes, mais de toute façon, je crois que le plaisir est le même. Hein. Voilà. Et vous? Bon, il est certain qu'on a quand même plus de contacts avec les gens qui ont des modèles 50. Hein.
quand même, on est quand même plus attiré. Mais bon, on va pas rejeter les personnes qui viennent nous voir avec un modèle. Il n'y a pas du tout de... Non. On les apprécie autant, de toute façon. Je pense que on est là pour partager la passion de la voiture américaine. Je crois qu'il n'y a aucune différence à faire entre les modèles. On est là, et puis on est tous là. La preuve, tout le monde s'est déplacé. Ouais. Si vous aviez le choix, recommenceriez-vous? Comme aujourd'hui? Oui. Ah oui, tout à fait, oui. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, on se déplace au rendez-vous, hein, ça, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup à vous deux. Merci. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15 before I'm ready to slide. Get to the top, I'm too tired to ride. Where'd you go to meet me up on the telephone? She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, about 6, 7, Friday, 5 more. Up on the 12th, I'm ready to drag. 15 before I'm starting to slack. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sit to Chicago before it pairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. No, my baby, too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb 1, 2, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Up on the 12th, I'm ready to drag. We're up to 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Who wrote the book of love? Chapter
I cast two silhouettes on the shade. Oh, what a lovely couple they made. Put his arms around your waist, held you tight. Kisses I could almost taste in the night. Wonder why I'm not the guy. I couldn't hide the tears in my eyes. Silhouettes, 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 tant attendu, voici Franck Daniel dans son show Elvis. She ride, oh, she ride, oh, she ride.
Oh si, j'irai. Oh si, j'irai. Les années 70 qui s'appelait Suspicious Mind, sous les mots. Voilà. It's now or never. Oh, no, only
Thank you.
Montréal. And entertainers, we'd love to hear from you, and we'll include them in a future rock and roll Saturday night dance party. For your favorite stars, be sure to write to us, Rock and Roll Dance Party, CBS Radio, 485 Madison Avenue, New York City. And now, here is the vocal group that had the first number one rock and roll song in America. The Penguins sing Earth Angel. You see everything from here. Earth Angel, Earth Angel, will you be mine? My darling dear, love you all the time. I'm just a fool, awful in love with you. My darling.
Figurez-vous qu'hier matin, alors qu'on se mettait en place, on a vu arriver une Mustang. Une Mustang 66, donc, qui arrivait du Colorado, qui était par hasard sur les routes de la région. Alors, on l'a arrêtée, bien évidemment. Et puis, je lui ai demandé qui était ce drôle de personnage qui se promenait sur nos petites routes françaises dans une voiture américaine. Et figurez-vous que c'était un présentateur de la radio américaine, d'une radio américaine, celui qu'on appelle le Wolfman Jack, qui est ici et qui va monter sur le podium parce que ça, c'est quand même à lui qui vient des États-Unis à présenter les voitures, il les connaît mieux que moi. Alors je lui passe le micro. Hi everybody, get your dances and welcome to the Rock and Roll Dance Party. Bon, eh bien, nous allons voir ensemble plusieurs voitures de différentes années, des années 50 aux années 70, en passant un petit peu par les années 30. Et, je ne sais pas si on peut commencer maintenant. Ok. Bon, alors la première voiture, c'est une Chevrolet Impala, 1959. Le propriétaire, M. Clayty. Ah, et voilà la première qui arrive, donc c'est la Impala 59. Il s'agit d'un... La Ford hardtop, 4 portes sans montant. Ok, c'est une très belle voiture. C'est bien sans montant. On avait tellement pris de retard. Oui, ok, voilà. Alors, oui. Et quels sont les travaux que vous avez eu à faire dessus? Absolument rien. Entièrement d'origine. Ne me dites pas que la peinture est d'origine? Absolument. C'est vraiment exceptionnel, une peinture aussi avec un tel éclat d'origine, de 1959, et elle n'a pas bougé. Jamais. La sellerie aussi, avec le tissu impeccable comme ça. Absolument, même les pneus. C'est un très beau modèle. Voilà. Elle est entièrement d'origine. C'est pour ça qu'elle fait des caprices. Ok, elle est vraiment très belle. Oui, on pourrait peut-être regarder un peu le moteur. Oui, il vient de nous ennuyer un instant. Oui, bah justement. Alors, S1-6 ou un V8? V8. Ah, c'est un oh, le beau V8. Très beau V8. Il est repeint en rouge vif, oui. Et alors j'ai vu que pour démarrer, il avait besoin d'un petit apéritif. Non, il a fait démarrer, il a calé. Il a calé. Pour ceux qui l'ignoreraient donc, il s'agit d'un... Les Thunderbirds de ces années-là sont encore des convertibles 2 places. Et à partir de 58, elles deviendront en 4 places et seront beaucoup plus lourds et beaucoup moins sportifs. C'est donc une véritable voiture de sport à l'américaine. Un très beau modèle en effet. Voilà, je vous demanderai de vous arrêter. Ah, pourriez-vous nous détailler le moteur que vous avez? C'est un moteur de 4 V8, bien sûr. Et quelles sont vos impressions? Pensez-vous vraiment qu'il s'agit d'une voiture de sport, comme le disent tous les Américains? Oui, à l'époque, c'était certainement une voiture de sport. Bon, bien sûr, maintenant, il y a des modèles peut-être plus performants, avec des reprises plus franches, plus prompte, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 3 vitesses avec overdrive, et en première, on peut monter à 80 à l'heure, en deuxième à 160. Ah oui, c'est vraiment les performances de voiture de sport. Mais enfin, j'ai une préférence pour la Thunderbird. Oui, c'est sûr, c'est une voiture qui est plus à l'américaine que la Corvette, je trouvais. La Corvette, c'est un petit peu trop basculé des voitures européennes. C'est ça, voilà. Celle-ci a clairement le Continental Key, des feux arrière qui sont d'origine de Ford, et les feux avant aussi, et beaucoup d'éléments qui sont pris de carrosserie. C'est ça, et puis cette ligne allongée, cette ligne agressive, allongée et basse, qui, allongée et basse, c'était tout à fait la ligne des Américaines des années 50. Je crois qu'il y a 20 ans. Oh, il y a 20 ans, bah, la peinture oui. S'est superbement bien conservée, on dirait qu'elle est toute neuve. Qui a la propriété de M. Raffineur, qui habite à Paris, qui la possède depuis un an. La voiture a 45 000 km. Le moteur est un diplôme de 454 cubic inches, qui est l'option maximum des Corvettes. Pourriez-vous vous arrêter, s'il vous plaît, descendre? C'est propre comme ça d'origine. Je le passe au chiffon une fois tous les 6 mois parce que je m'en sers très peu de cette voiture. Et par le fait, non, une fois tous les 6 mois, ça suffit. Et vous en servez très peu, vous faites combien de kilomètres avec cette machine par an? Bah écoutez, a priori je fais à peu près 50 ou 100 km par week-end, quand le temps le permet. Oui. Et donc, s'il y a 52 week-ends et qu'on considère qu'il y a 30 week-ends opérationnels, faites le compte, ça fait à peu près 30 fois 100 km maximum. Eh bien, c'est très bien. 1987, qui est la propriété de M. Maginot à Paris. On apprécie le bruit des échappements.
Et ensuite, on passe à la donc à l'Opel Corvette, qui est un modèle 87, je vous répète. Voilà, Monsieur Maginot a acheté cette voiture l'année dernière. Bon, elle a 40 000 km d'origine, ce qui n'est pas un exploit, vu l'année. Elle est toute option, et elle est intégralement d'origine, y compris la peinture, à l'exception des jantes, qui sont des clagards. Elle est de 81. Je vous donne le micro. Oh, bon, il s'agit d'un modèle 81. Je suis habitué au 7 à l'américaine, c'est pour ça, ça ressemble beaucoup au 1. Quels sont les travaux que vous avez eu à faire dessus depuis que vous l'avez acheté? La seule sur parc pour garer la voiture et donc pour la repasser aux mines, enfin l'équivalent des mines au Luxembourg, il a fallu faire débloquer les freins et les remettre en état. Ok, vous avez passé les mines au Luxembourg, 75, une Cadillac, qui appartient à M. Talbert, qui est justement membre du comité directeur du club American Car Club de France. C'est une coupé, Eldorado coupé, qui est le haut de gamme absolu américain. Je précise au passage qu'il s'agit de la plus grosse traction avant au monde qui puisse exister. Nous avons la fille de M. Talbert qui s'avance. Pouvez-vous sortir du véhicule pour détailler un petit peu la voiture? Ok, pourriez-vous nous dire un petit peu le type de moteur que vous avez en dessous, si vous avez une petite connaissance là-dessus? Non, vous ne savez pas, ok. Monsieur Talbert, peut-être pouvoir nous aider. Bien, Monsieur bien Talbert. Renfort. Hein, et dans un capot comme ça, on peut pratiquement fabriquer une AX. C'est un très gros moteur. Elle a l'air conditionnée, évidemment. C'est la plus grosse traction avant, et détail curieux, la transmission est par chaîne. Ce n'est pas par engrenage comme dans nos voitures, c'est par chaîne. Et maintenant on passe une voiture qui est du groupe Chrysler, c'est une Mopar, et c'est une Dodge Dart, un modèle E270 de 1971. Ok, le propriétaire est M. Beaumois, je lui ai demandé de sortir, il habite à Caen. Il possède la voiture depuis seulement un mois, donc il la découvre seulement à peine. C'est une grande inconnue. Bien. Vous avez fait des travaux sur cette machine depuis un mois? Non. Non, j'ai pas eu le temps et puis il n'y en a pas à faire. Hein. Il n'y a pas de travaux à faire. Sur les Dodge Dart, il n'y a jamais de travaux à faire. Pas de ma faute. Hein. J'ai cherché, mais... La peinture a-t-elle été refaite? Ah oui, sûrement, oui. Oui. Sa peinture est vraiment superbe. Le modèle est en parfait état d'origine. Il était acheté dans le Colorado. Bon, la voiture a été immatriculée sans problème l'an dernier. Alors notez bien le numéro de plaque d'immatriculation. Bonjour. 1949 TR45. Et voilà la famille Elbank qui descend. Ainsi qu'Estelle qui a gagné donc justement la fabuleuse voiture. À la même date, nous pourrons présenter, nous organisons, enfin l'ACCF va organiser une grande manifestation, enfin en plus de celle que vous voyez ici, réservée uniquement au Ford Flathead. Donc c'est le 60e anniversaire, puisque 1932-1992, 60e anniversaire du V8 Ford, justement, du Flathead. Ford vedette, puisqu'il s'agit d'une vedette 1953 découvrable. Est-ce qu'il y a une coupe spéciale vedette que nous avions décidé d'attribuer? Et il s'agit d'un très beau modèle que vous pouvez constater, qui vient d'Elbeuf, qui appartient à M. Robert Labbé, qui le possède depuis septembre 1985. Alors, je sais que M. Labbé a plein de choses très intéressantes à nous raconter, puisque sa voiture allait à de nombreuses manifestations en Sicile, en Suisse, en Allemagne, en Italie, et principalement en Amérique. Vous vous souvenez sans doute de ce rallye exceptionnel qu'avait fait quelques voitures anciennes françaises aux États-Unis il y a 2 ans, je crois bien. Et on a pu voir de très belles voitures, dont une Peugeot 203 avec obus à l'avant, chromé, ainsi qu'une Renault 4 chevaux. Une part de l'histoire de l'Amérique. Une voiture restaurée. 83 000 miles, boîte automatique, 3 vitesses avec overdrive.
La voiture a été importée de Caroline du Sud. L'avant qui est un bélier. Un bélier chromé. Oui, bah c'est un club d'été. C'est un peu tout, quoi. Tout ce qui concerne la mode 50. Ok, et j'apprécie beaucoup que vous ayez suivi le conseil de la CCF qui conseillait à tout le monde de s'habiller 50s. Enfin, je crois que vous êtes habillé 50s tous les jours, il me semble. Pratiquement tous les jours, oui. Voilà, ok, justement, c'est comme moi. On a ça dans le sang. Ok, exactement. Ok. Une voiture d'exportation d'Afrique du Nord, d'après ce qu'il met. Donc, qui a été restaurée par l'ancien propriétaire. Une restauration légèrement ancienne, d'après ce que j'ai pu en voir. Restauration comportant peinture, chrome, et le moteur est d'origine. Ok, il s'agit donc modèle 52, donc encore équipé de 6 cylindres en ligne, avant qu'il y ait le vieil de 55. Pourriez-vous ouvrir le capot, s'il vous plaît? Ok, bah, c'est une bien belle voiture, merci. Avec des pentes de skirt à l'arrière, jupe d'aile. Ça appartient à M. Kearney de Poitiers, qui la possède depuis 1988. La voiture a été importée en Suisse par un diplomate américain. Je sais que la voiture est 9000 km. Qui était importée par une société française et qui a été ensuite revendue en France, disons. Mais la voiture avait besoin d'une restauration quand même. Voilà, ok, c'est une tout d'eau. Sens à la fin des années 50 avec les voitures qui celles renaît. Et celle-là, elle a combien de chevaux celle-ci? 3 cubic inch, ça fait 305. 305 chevaux, oui, ok. La voiture a été achetée en Floride au point d'exclusive Apex. À Fort Lauderdale, Florida. C'est une société qui a disparu maintenant. Une Corvette, un 5,7 litres transaction. Voilà, s'il était possible que M. Coyard nous la montre. Je pense que c'est une voiture que vous avez toute neuve, non? Je l'ai une neuve, mais d'occasion. C'est-à-dire c'était une voiture de démonstration d'abord en Floride, ensuite en Belgique chez Mazda Cars. Et c'est là que je l'ai eu Bugatti par la suite. C'est-à-dire c'est une voiture qui n'a jamais réellement existé sous cette forme-là. Peut-on savoir combien ça développe de chevaux, s'il vous plaît? Oui, 240 véritables. Je l'ai démonté déjà, je peux vous garantir que c'est en bois. Là, évidemment, vu qu'elle ne date que de 3 ans, elle n'a pas eu besoin d'être restaurée. Bon, vous remercie beaucoup. 1939, qui appartient à M. Bonnet d'Abrecy, dans le département 14, qui possède la voiture depuis un an. Alors, c'est la voiture la plus ancienne que nous allons voir au concours d'élégance. La voiture a été remisée 20 ans dans le Massachusetts et elle a été achetée à peu près dans cet état. C'est un cabriolet 4 places de porte. Ok, quels sont les travaux que vous avez effectués sur la voiture? En 1989. Ok, en 89, donc vous l'avez acheté un an après, ok. 600 lignes. Année 1957, qui appartient à M. Klebeseg, qui habite à Lizy-sur-Rook. Elle a été achetée en juillet 89. Ok, bye bye. L'intérieur reste à finir. Cette voiture a été apparue dans Nitro, si mes souvenirs sont bons, un reportage sur la dernière sortie qu'avait fait la ICCF, c'était l'an dernier à Soisy-sur-Seine, qui est la deuxième sortie, la sortie de septembre du club. Ne partez pas, voilà, si vous pouviez sortir de votre voiture, madame.
La voiture est en état extérieur superbe. L'intérieur aussi, juste la serrerie restera à finir et peut-être qu'elle sera parfaite après. C'est la voiture de vos rêves, non? Non, la voiture de nos rêves, ça serait la même en roue de ma soeur, mais en cabriolet. Mais ok, je... C'est apparemment connu en France. Hein. Est-ce qu'on peut voir le moteur, s'il vous plaît? Oui, mais je suis pas voir le moteur. Ah! Je crois apercevoir un filtre air chromé. Est-ce d'origine? Ok, je précise que M. Klobesek fait à peu près 10 000 km par an. 15 000 km, pardon. C'est un modèle qui a été fait en 10 000 exemplaires. Ok, c'est long. Maintenant, on passe à la voiture suivante, qui est une Lincoln Continental de l'année 1963. Ok, c'est bien des portes aussi donc. Si vous pouviez ouvrir les portes, ça ferait une démonstration assez amusante. Et en même temps, actionner la capote si ça vous est possible. Pour montrer un petit peu comment, aux personnes qui ne connaissent pas comment fonctionne une capote électrique. À l'arrière. Ok. Pourriez-vous laisser les portes ouvertes comme ça pour que la caméra puisse se filmer? Ok. Et maintenant, la capote électrique, c'est assez amusant de la voir fonctionner. Oh, 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 regardez le coffre qui se lève. C'est assez amusant, c'est assez impressionnant. Alors, il s'agit d'un mécanisme destiné à ce que la capote soit cachée, enfin, qu'elle ne se voit pas après l'opération de réfraction du toit. Je précise que c'est un système qui n'est pas nouveau, puisqu'il avait déjà été expérimenté sur des Peugeot dans les années 30, en 1934. Et ensuite, je crois bien qu'il a été repris sur différentes voitures, une voiture expérimentale, la Chrysler Thunderbolt en 1940, et en particulier en grande série sur les Ford Skyliner 1957-59, qui possède carrément un toit en acier qui rentre dans le coffre. Il possède la voiture depuis 2 ans. La chrome, le chrome et la peinture ont été refaits dans les couleurs d'origine. Son possesseur étant bien amoureux de ce modèle, je précise. Les chaises sont d'origine, ils sont vraiment en excellent état. Qui est le même que vous avez vu tout à l'heure sur la Chevrolet 1953? Oui, alors on voudrait savoir... Dans l'intérieur d'origine, un mélange origine-restauration, et je pense que les juristes seront appréciés ça. Une très belle voiture, les engins livreurs sont en parfait état. Ok, maintenant on passe à la voiture suivante, qui est une voiture que vous avez tous pu remarquer. Il s'agit d'une DeSoto Diplomat Custom, un modèle 1958 qui est un de mes préférés. Ok, je demande que quelqu'un s'approche avec un micro de la radio que possède monsieur dans sa voiture. Quelqu'un peut-il approcher un micro de la radio? C'est une radio d'époque et c'est Little Darling chanté par les Diamonds. Les Chrysler en 57-59 sont encore représentés en France, notamment en convertible. Automatique, naturellement, un paiement de passe active par touche. Ce qui est typique du Chrysler 57-59. Oui, bien sûr. Ok, nous passons à notre voiture que tout le monde connaît bien ici, puisque cette voiture fut la vedette de Nitro il y a 2 mois. Nitro est la revue française de des voitures un peu spéciales américaines et customs. Ok, c'est une Buick, donc 1958, Limited, qui appartient à Christian Mazur. Qui possède aussi la voiture qui va suivre, mais je vous en laisse la surprise. C'est une voiture qui a été importée des États-Unis en 1989. Et je me posais une question. C'est 16 ans qu'elle est restaurée, la voiture. Ok. Et ce qui est sur le tableau de bord, est-ce d'origine la moto? Le tableau de bord, il craque. Voilà, ainsi que les joints des voitures, des portières qui sont enveloppées de moquettes. Ok, c'est une très belle voiture. Qui appartient à la même personne, donc? Qui est un modèle qu'il a acheté en 1990. Qui appartient à M. Debos, qui habite à L'Aigle. Il le possède depuis 1985. C'est une voiture qui est en France depuis 1963, donc depuis 9. Elle a été achetée à 20 000 francs. C'est une très belle voiture qui arrive maintenant.
quel est le total uniquement dans le coût total de la restauration, quel est le total réservé au chrome? 27 000 francs. 27 000 francs uniquement pour les coûts. C'est un... c'est un 413 cubic inch. Je crois qu'il est beau, est-ce qu'on peut le voir? Oui. La souscription coûte 200 francs et vous aurez, donc vous, c'est le prix de la cassette, et vous aurez la cassette, elle vous sera envoyée d'ici une quinzaine de jours. Je précise que c'est un film avec scénario qui est tourné, ce n'est pas juste un documentaire. Ok, la voiture suivante, je voulais absolument la voir parce que c'est une Chevrolet Corvair, c'est une des seules Corvair, c'est mon seul que j'ai pu voir aujourd'hui. C'est un modèle des Corvair deuxième génération, qui est un petit peu le bas de gamme américain, qui est en très bon état celui-ci, enfin en bon état vraiment. C'est un convertible Monza, qui est le modèle, qui est un modèle apparu au début des années 60 sur les Corvair première génération, et qui est un modèle un petit peu sportif, en position arrière, qui est semblable un petit peu à celui du Porsche. Quelle est l'origine, non? Non, la peinture a 15 ans. La peinture a 15 ans et la voiture 89 000 km. 89 000 km. Et tout le reste est d'origine, à part les pneus. Qui appartient à M. Chabrolet, qui habite à Guigny. Il possède la voiture depuis un an. Pas mal de restauration quand même, mais on est en état. En état, mais il y a quand même, comme vous dites, pas mal de restauration quand même à faire dessus, je pense. D'accord. Ok, l'intérieur n'est pas mal, il est même très bien. Bon, merci. Ok, ben merci. On passe maintenant à une Corvette, c'est un modèle rarissime, on en a très peu en France, c'est une 63 coupée. Je précise que de tous les coupés Corvette qui n'aient jamais été fabriqués, c'est le modèle 63, la 63, qui est le plus coté, puisque cette voiture, elle possède une lunette arrière split window, un petit peu comme les fameuses coccinelles, et c'est ça qui a fait toute sa valeur. La restauration a été est complète, tout à fait dans le souci de l'origine. Et un rouge vif, une très belle couleur. Rouge champ plutôt. Oh, la voiture est très belle. N'allez pas trop loin, s'il vous plaît. Oui, alors c'est une voiture que vous avez eue, je pense, dans l'état, non? Dans l'état. Elle se trouvait aux États-Unis. Je l'ai choisie dans cet état-là. Exactement, comme elle se trouve. Comme elle s'est là. Voici, c'est une Corvette 1959, qui appartient à M. Pierre Balavoine, qui habite à Marais-Mahalli, dans la 78. La voiture a été achetée en 1989. Elle est en couleur bleu, un petit peu azur métal. Très belle couleur d'origine. Bon, je précise bien sûr pour ceux qui l'ignoraient que les Corvettes ne sont pas des voitures qui sont. Les Corvettes n'existent pas en carrosserie métal, elles sont toutes en carrosserie fibre de verre. Yeah, ok. Thanks. Maintenant, on va voir une Lincoln. Merci beaucoup. Ok, merci. On va voir une Lincoln Mark IV de 1972. Ok, on a pu apprécier les phares rétractables qui viennent de se rétracter. Dès que les phares s'éteignent, les phares se rétractent. Et ça a fait une talent de 100 phares. C'est ça. Voilà, c'était le moteur de l'époque, voilà, oui, qui était un moteur qui a équipé d'autres véhicules très puissants. Elle est toujours en W parce que j'avais paumé la carte grise. Ah, ok. Et je l'ai retrouvée il y a 15 jours seulement. Ah oui, ok. Les saletés vont être d'origine puisqu'elle est arrivée comme ça des USA, alors vous voyez. Parce qu'au niveau de l'essence, ça consomme combien sur les stations? Bah, c'est exactement comme le collègue là qui est passé. Comme ça, des Continental Kit. Et ce coup-ci, sur cette voiture-là. Ok, merci. Sur cette voiture-là, nous avons le coffre qui se prolonge en forme de fausse route de secours. Une petite surprise pilotée par la famille Marc Verrier, que nous avons pu voir tout à l'heure, responsable de l'amicale Mustang à l'ACCF. Ok, bah, il s'agit de ma Mustang, pour qu'on en parle dire. La Mustang avec laquelle je suis revenu des USA. Et cette Mustang est une voiture que l'ACCF vous propose en tombola. Alors chaque année, la CCF propose une voiture, comme vous le savez, en tombola. Il y a deux ans, c'était une Edsel 1959. L'année précédente, c'était le Mercury que vous avez vu tout à l'heure, 1949. Et là, c'est une 1966 Mustang, Ford Mustang, avec un moteur 289. C'est
c'est un VIH donc. Peut-être qu'on pourrait laisser Marc Barrier la présenter un petit peu, puisque c'est un spécialiste. Il ne sera absolument pas déçu. C'est un petit cabriolet très très sympathique à conduire. Et ma foi, l'intérieur, c'est l'intérieur luxury. Elle n'a pas d'option évidemment, mais ça reste néanmoins une machine très très agréable, hein, bien plaisante. Et ma foi, pour 30 francs, je crois que je vais aller acheter un billet. Je crois que je vais y aller. Allez, je vais acheter un billet. Ok, et moi-même j'en ai acheté un. J'en ai acheté un, c'est le numéro 001. Ça fait rigoler. Relaxant. Ça vous amuse. Le groupe Tony Marlowe ne va pas tarder, ne partez pas. On y va. Là, ça arrive. Là. Tu sens que ça alors, vient Shake. So then I hear a whistle like a bee for a crack. Rose
train, rolling down his small little track. I love to hear the rhythm on a niggity clack. Hear me rock back to the track. Chack! Choo-choo, choo-choo, chaboo-ee, choo-choo, choo-choo, chaboo-ee. Take me right back to the track. C'est la 2 Soto. Alors c'est la 8e coupe, elles sont placées à partir de la 8e, voilà. Alors, voilà, alors Excalibur, 3e prix. Très belle voiture, presque neuve, mais on paye un peu des neuves, un jour ce sera une voiture plus vieille. Le 4e prix, c'est quand même le plus ancien, souligné. Le 4e prix, mais le mérite est grand. Et voici la Buick Limited 58 avec ses 160 petits carreaux sur la calandre qui gagne le 6e prix. Alors, bon, enfin, le jury a décidé, vous savez que les décisions de justice ne doivent pas être commentées. Très belle voiture. Le 6e prix. Alors chaque, je rappelle qu'il y avait 4 jurés. Chacun a mis une note sur 10 et on a fait les additions. La folle vedette qui a gagné, du coup spécial vedette donc. Merci à vous d'être venus.
Merci, et à bientôt peut-être. À l'an prochain. Qui a gagné la coupe numéro 12. Voilà, 12e prix. Il ne peut pas y avoir que des premiers prix, il faut aussi des 12e. Merci à vous d'avoir participé. De M. Talbert, qui a gagné le 5e prix, numéro 5, 6e prix. On n'en profite pas, à la prochaine. De M. Trigatti qui a gagné le 13e prix. A bientôt, M. Trigatti. Maintenant, la Mercury 49 de l'année précédente au Tombola qui gagne le 10e prix. Bravo Estelle. Allez, allez, c'est bon. Numéro 21, 9e prix. Ouais. 9e prix. Vous êtes quel numéro, s'il vous plaît? Le numéro 20, alors c'est le 7e prix. Parce que j'ai pas le nom des voitures, là. Alors, je sais pas à quelle voiture correspond le numéro. 7e prix, voilà. 8, 71, oui, je vois que c'est 8, c'est bien rare, oui, bien sûr. Avec la poupe bateau. Bien. Alors, voilà, merci pour votre participation. Et puis, on vous donne rendez-vous donc pour la prochaine grande manifestation du club qui va se passer le 21-22 septembre à Soisy-sur-Seine, dans l'Essonne, avec le tirage donc de la tombola, la troisième grande tombola de la CCF, avec la Mustang à gagner, la Mustang 66. On peut toujours prendre les billets. Voilà, merci à tout le public d'être venu. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye from romance, that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. I think I'm gonna cry. Bye bye.
Bien voilà, alors vous allez pouvoir la conduire dans son nouveau garage. Et je suis heureux de vous offrir la casquette de l'American Car Club. La revue The Bond que tous les adhérents connaissent bien. Eh bien, merci pour tous ces présents et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et merci pour ce bon week-end. Non. D'accord. Et donc ainsi se terminent ces deux journées de la CCF et le 6e US Car Show. Et je vous donne rendez-vous au mois de septembre à Soisy-sur-Seine. Au revoir. Au revoir.